What the fuck? Même si je suis pas très bon en anglais, j'utiliserai ce mot-là pour décrire le jeu auquel j'ai joué. En effet, le jeu testé cette semaine s'appelle Insert Title Here, qui se traduit en bon français par insérer un titre ici. Ce jeu n'a pas vraiment de but ou d'histoire, c'est plus une expérience psychologique proposée par le créateur aux joueurs eux-mêmes. J'en dis pas plus, je vous laisse regarder. Insert Title Here. Ok, on y est, c'est parti. Welcome to the experiment. You may not be accustomed to what you're about to see. Feel calm and explore. Ok. Bonjour et bienvenue dans cette expérience. C'est une expérience pour voir les réactions des gens. Je préviens de suite, je ne suis pas super fort en anglais. Pour jouer à ce jeu correctement, vous devez avoir besoin de vous enregistrer jouer avec un microphone. Ah bah c'est exactement ce que je fais, d'ailleurs je le fais même avec une caméra. Ok, saute. Mais ne t'inquiète pas, tu ne te casseras rien, c'est la logique du jeu. As-tu crié quelque chose du genre « Waouh ! » Ah ben non, du coup j'ai absolument rien dit. Ouais, c'est nul de ma part. Cette expérience étudiera vos réactions, c'est pourquoi on a besoin de votre voix. Oui, mais je suis là pour te parler le jeu, voyons. Oh, ok. Êtes-vous un mâle ou une femelle ? Bon, on va faire le jeu sans tricher, sans mentir, donc je suis un mâle. Hello, boy. Peut-être que tu es une fille et que tu as dit ça pour pouvoir jouer au jeu. Tu as besoin d'être un homme pour jouer et tu me mens. Ok, d'accord. Alors le jeu est persuadé que je suis une fille. Mentir, c'est mal. Voyez. Waouh, cette chambre est bizarre, n'est-ce pas? Cette musique d'ascenseur en fond ne va pas du tout avec la chambre. Non, ça va pas du tout avec ce couloir, cette musique. Do you like this one? It's strange, isn't it? Ah oui, oui, c'est étrange. This is the drug room. Trippy as hell. Oh, la salle de la drogue. Alors j'en connais certains qui en voyant cette vidéo et ce moment-là doivent être très contents. La drogue c'est mal. As you can see, this experiment is full of many rooms. You will like ones more than others. Take your time to read. Don't worry. Je suis persuadé que c'est un jeu d'horreur et qu'on va se taper des screamers. Ok, let's go. Choose one of the following elevators. Psychological game. Ok, et Emilien, je te laisse celui-là. Horror game. Platform game. Franchement, j'hésite là. Ah, mais comme il faut faire bouger la vidéo, on va aller faire horror game. C'est le même style que SCP. C'est les mêmes murs et c'est les mêmes bruitages pour ceux qui connaissent SCP. Et d'ailleurs, dans ce jeu, il y a des screamers. Oh putain! Oh putain! Ok, c'était peut-être pas le bon chemin. Oh putain! Wow! On se barrer vite. Une de ces portes est la correcte. Ok, une porte bleue. Une porte rouge. Ok, là se joue le moment le plus important de ma vie. Est-ce que je prends la porte rouge ou la porte bleue? Oh putain! Insert coin to restart the game. Oh non, 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 non! Ok, on a perdu, il fallait prendre la porte rouge. Je suis dégoûté. Je suis vraiment, vraiment dégoûté. Welcome to the experiment. You may not be accustomed to what you... Je viens juste de tester le jeu de plateforme. Je suis tombé en fait, ça m'a gavé. J'ai dû tout recommencer. Ok, let's go. Même bruitage que SCP. Afraid of monster. Oh, mais c'est une Play 3. Oh non! Oh putain, c'est encore plus flippant que le précédent. Welcome, je suis un œil. Nous on s'aime. Mais on est mort. Don't be scared. Parce qu'on va mourir. Que des enculés. Ça fait trop peur. Wow. I'm a Slenderman. Hey. Bonjour et bienvenue à Guitar Hero. Press the button. Back to normal. Revenons au normal. Clique ici. Je vais cliquer. Screamer dans 3, 2, 1.
Est-ce que tu aimes être observé? Si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis observé. Choose the blue pill or the red pill. Your decision will influence your way in the game. Choose well. C'était pas dans Matrix qui proposait une pilule bleue et une pilule rouge, sauf que je me souviens plus du tout ce qu'il avait choisi le mec. Tout à l'heure, je me suis fait avoir par la porte bleue. Donc cette fois, on va prendre la pilule rouge. I was kidding. This is not Matrix. It's just a weird experiment. Il vient de le dire justement. Please continue. Proceed to the end. I hope you enjoyed the experience. Exit. Until c'est fini. Another time. OK, c'est You don't have permission to be here. Immediately leave. Oh non, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû m'en aller. Oh non, 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 non. Get out. Now, I'm ordering you. You can't be here. Oh non! Je ne veux plus jouer. Je ne veux plus jouer, s'il vous plaît. Je suis obligé de baisser le son là. C'est insupportable. Oh mon dieu. Salut, ça va? Oh oui, je trop bien. Wow. Putain, c'est n'importe quoi. Putain, mais c'est du délire. Oh, allez, on sort de là. Il n'y en a pas un autre. Je ne vois rien. Mes yeux. Est-ce qu'on va conduire la voiture? Waouh. Stylé la voiture. Tout de la même couleur. Clic. Wow, c'est pas moi qui bouge là. Stop. T-Hand. YouTube, ok. Ah non, mais c'est bloqué le jeu. C'est fini. Bon, bah apparemment, le jeu se termine comme ça. Bon, mais du coup, moi, je vous invite à tester le jeu parce qu'il était plutôt rigolo. Sauf le coup du screamer, là, dans la porte bleue. Et je pense qu'il y avait des fins alternatives. Comme au tout début, quand il fallait choisir si on était un homme ou une femme. Bah du coup, qu'est-ce qui se passe quand on prend la porte rouge dans le jeu d'horreur? Est-ce que ça change quelque chose de prendre la pilule bleue? Ah oui! Ah oui! Exit! L'ascenseur, là, au lieu de prendre la porte rouge qui m'a amené jusqu'ici, qu'est-ce que ça fait de prendre Exit? Ouais, c'est tout. Donc du coup, je vous invite à tester ce jeu pour voir toutes les fins alternatives que je n'ai pas pu montrer dans ma vidéo. Bon bah du coup, merci à tous d'avoir regardé.